Hello les petits chats, hello à tous, je suis en compagnie de Stacy. Coucou. Et toutes les deux, on a décidé de faire un petit cadeau à notre maman personnalisé. Donc pour ça, on a acheté des tasses toutes blanches, toutes simples. Moi, je suis passée à Cultura et j'ai acheté des feutres spéciaux pour porcelaine. Donc ça s'appelle Porcelaine and Glass. Voilà, je vous montre si ça vous intéresse. Voilà, celui-là. Il en existe en plein de couleurs. Moi, c'est vrai que je suis partie plutôt sur des couleurs féminines. J'ai pris quand même un petit peu de noir, mais après, c'est beaucoup de rose, de rouge, de doré. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec des pinceaux, mais moi, je trouvais qu'avec les feutres, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, on met la petite tasse au four et c'est réglé. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur nos téléphones. On est allé chercher des petites images qui nous plaisent. Je me suis pris un petit push-in avec I Love Mom dessus qui va me servir de modèle pour ma tasse. Moi j'ai pris, hop, je t'aime maman, puis des petites choses en fait comme ça. Des petites fleurs, des petites libellules et des cœurs. Et des petits cœurs. Des petites choses toutes mignonnes. Voilà. Du coup bah on vous abandonne, c'est parti. Tu prends quelle couleur toi en premier? Je pense que je vais prendre le rose. Tu veux prendre lequel toi? J'allais prendre le rose. Bah vas-y, c'est pas grave, rose, moi je prends le doré. Je vais faire avec le doré le contour. Okay. C'est parti, donc je vais dessiner sur toute la face, moi sur le côté. Je vais faire mon petit chat. Moi je vais juste écrire je t'aime. C'est trop mignon. Oh. Et voilà les petits chats, on a bien travaillé et on a terminé nos petites tasses pour nos mamans. Du coup, on va vous montrer ça de près. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a inspiré et si vous avez envie d'en faire chez vous. Voilà pour la mienne et pour celle de Stacy. Avec un petit je t'aime maman. Voilà. Des libellules, des fleurs, des petits cœurs, tout plein d'amour. Et voilà. Et ensuite, on pourra boire le thé. Exactement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre au four pour tout fixer. Et ce sera nickel. Et ça fait un petit cadeau personnalisé pour nos mamans, en plus d'un petit cadeau acheté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on vous fait des gros gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Bisous.